Bétimenta, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser plusieurs tutos pour vous occuper pendant le confinement. Et oui, malheureusement, le confinement a été prolongé, mais c'est pour votre santé. Et je vais vous donner des petites astuces, des petites idées pour créer des choses durant ce confinement. C'est parti. Donc, pour le premier tuto. Et pour le premier tuto, ça va être très simple, on va réaliser une toupie. Pour ça, il vous faut un verre ou un objet rond. Il va vous falloir également un morceau de carton, un pic en bois, des ciseaux et des feutres ou de la peinture. On va tout d'abord tracer le rond à l'aide du verre. Voilà pourquoi je vous disais qu'il vous fallait un verre. Après, si vous avez un compas, évidemment, vous pouvez utiliser un compas. Donc, je vais faire le tour et puis après, je vais venir découper mon rond. C'est parti pour le découpage. Voilà, ensuite on va marquer à peu près le centre, hop, et on va venir passer notre pic dans notre carton. On l'enfonce pas trop. Le pic est un peu trop grand, on va venir le couper. On va bien couper les petits bouts qui dépassent pour pas se faire mal. Et voilà, ma toupie tourne. On va maintenant décorer évidemment la toupie parce que comme ça, elle est assez nature. D'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez la laisser tout simplement comme ça. Pour décorer, eh ben, j'utilise simplement mes feutres. Je vais venir faire des petits motifs dessus. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. C'est ça qui est sympa. Je vais prendre mes feutres qui sont métalliques. Je les aime bien. Allez, on va faire rose et violet. Et puis, vert. Hop, on va venir colorier pour rajouter un peu de gaieté. Et hop, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait trois triangles à peu près égaux. C'est peut-être pas exactement la même taille, mais c'est pas grave. Et je vais les colorier chacun d'une couleur. Et voilà, une fois que c'est colorié, eh bien, je viens replacer mon pic et j'obtiens une super toupie. On va donc passer à la deuxième activité, mais juste avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme idée d'activité sur ma chaîne et à mettre un pouce levé si mes vidéos vous plaisent et évidemment vous abonner à la chaîne. Et oui, il ne faut pas oublier. Pour le deuxième tuto, mes petits mandzas, vous aurez besoin de vos mains. Vous aurez besoin de peinture, d'un feutre noir, de petits yeux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les fabriquer vous-même en les dessinant sur une feuille blanche. D'ailleurs, on aura également besoin d'une feuille blanche. Et puis, si vous avez sous la main du coton ou un gros pinceau. Alors, qu'allons-nous faire pour ce deuxième tuto? Eh bien, nous allons faire des personnages empreintes de mains, tout simplement, avec de la peinture. Donc, on va appliquer de la peinture sur nos mains. Ne se cache pas de salir les mains, ce tuto n'est pas fait pour vous. Pour le premier personnage, je vais appliquer de la peinture sur la paume de ma main, sur mon pouce et mon petit doigt. Et après, vous pouvez inventer des personnages, hein. Je vous donne des idées, mais évidemment, comme d'habitude, chacun est libre de refaire à sa façon. Donc, je mets de la peinture sur la paume, le pouce et le petit doigt, et je vais venir appliquer ma main. Voilà. Et pour le deuxième bonhomme, on va venir mettre de la peinture sur toute la main, sauf le pouce. Donc je change de couleur. Attention, c'est parti. J'ai des mains de schtroumpf. Allez hop, tac. N'hésitez pas à mettre une bonne couche de peinture, finalement ça marche beaucoup mieux. Et si ça ne prend pas totalement, vous pouvez retourner la feuille et bien l'appliquer sur vos doigts. Et attention. Je vais aller me laver les mains et je reviens tout de suite pour la suite. Bon les loulous, je suis en train de tourner une vidéo et j'ai les mains toutes bleues. J'ai les mains de schtroumpf comme ça. Et je meurs d'envie d'aller faire une petite blague à Stéphane. Allez, on y va. Non. Je t'ai eu. Tu m'aimes? Bon, après cette petite blagounette, je me suis lavé les mains et on va pouvoir reprendre nos créations quand même parce qu'on est là pour ça. Donc, il vous faut, comme je vous disais juste avant, des petits yeux. Ah ! Oh ! C'est la vengeance, il m'a arrosé. Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc je disais, quel coquin, je savais qu'il allait se venger à un moment ou à un autre. Qu'il vous faudra des petits yeux. Ou vous pouvez dessiner des yeux ou les faire vous-même. Hop, que l'on peut placer juste ici. Et lui, on va lui faire une petite bouche un peu comme ça, avec une langue là. Ah, mais il a mouillé ma feuille en plus. Voilà, le premier personnage. Et pour le deuxième, je vais lui mettre un œil comme ça. Tac, bon, c'est bien, ça colle direct avec la peinture. Et puis, je vais lui faire un clin d'œil, je pense. J'espère que ça va écrire, vu que la peinture n'est pas totalement sèche. Oui, c'est bon, parfait.
Donc là il fait un clin d'œil et puis on peut lui faire une petite bouche comme ça avec des petites dents de vampire. Donc voilà pour la deuxième idée, c'est tout simple, faire des petits personnages avec vos empreintes de main. Vous pouvez donc refaire vos propres personnages chez vous et me les envoyer sur Instagram avec le hashtag mon empreinte, tout simplement. On va vraiment faire quelque chose de simple et puis citer mon compte @mandzabulle, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi de voir vos créations. Comme d'habitude, si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer vos petits dessins ou vos créations sur ma page Facebook ou par mail à julie@mandzabulle.fr. Et maintenant on continue, puisque ce n'est pas fini, on continue avec le troisième tuto. Donc pour cette troisième activité, nous allons apprendre à faire pousser des lentilles. Ici par exemple, c'est des lentilles que j'ai fait pousser il y a quelques semaines, et vous voyez que ça fait une belle petite plante. Donc pour ça c'est vraiment très simple, vous avez peut-être déjà vu le tuto puisque je l'ai déjà fait en fait sur mon site internet, mais j'avais envie de vous le refaire en vidéo pour ceux qui ne vont pas sur le site internet. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment très facile, il vous faut un petit pot, vous pouvez utiliser un pot de yaourt, un bout de bouteille que vous coupez, vous pouvez utiliser une coquille d'œuf, il y en a qui le font aussi dans les coquilles d'œufs. Il vous faut du coton, tout simplement on va venir mettre du coton dans notre petit pot, une bonne quantité quand même, hop. Donc on vient mettre le coton. Ensuite le coton va bien l'humidifier, c'est ce qui va faire en fait germer nos petites lentilles. Donc je vais mettre pas mal d'eau pour bien humidifier mon coton. Et ensuite on va tout simplement mettre des lentilles sèches évidemment au-dessus. Et bien réarroser une seconde fois. Et vous allez voir que dans quelques jours ça va commencer à germer. Et petit à petit ça va pousser. Et vous allez avoir une jolie petite plante comme celle-ci. Donc c'est super sympa. Ça permet à tout le monde de faire pousser des choses. Qu'on ait une maison, un appartement. Ou une maison ou un appartement. Non mais je veux dire qu'on ait un extérieur ou pas. On va pouvoir faire pousser en fait des choses. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça permet aussi de voir un petit peu l'évolution de la plante. On va voir quand ça germe. On va voir enfin, tout ça. Donc c'est vraiment une activité très sympa, là on se rend pas compte pour l'instant. Vous pouvez aussi pourquoi pas décorer votre pot hein. Ça peut faire partie de l'activité avant évidemment de le remplir, faire un petit bonhomme et ça fera ses cheveux qui poussent, ça peut être vraiment sympa aussi. Voilà, vraiment une activité super sympa. Si vous voulez les détails, vous pouvez aller sur mon site mandzabulle.fr et retrouver les détails, mais en gros c'est exactement ce que je viens de faire, et en quelques semaines vous obtiendrez cette petite plante. Pour l'activité suivante, on va réaliser des petites coccinelles, et oui on est au printemps. Les coccinelles sont là et nous on va en réaliser une nous-mêmes avec du papier. Ça c'est plutôt sympa. Pour ça il nous faut une feuille rouge. Vous pouvez également faire vos ronds dans une feuille blanche et les colorier après recto verso. Pour avoir votre feuille rouge ça ne pose pas problème. Pareil, il vous faudra une feuille noire. Vous pouvez colorier également sans souci. Il vous faudra aussi un objet rond. J'ai choisi un verre plus petit. Vous pouvez utiliser un verre assez grand aussi. Il n'y a aucun problème. Ça va vous permettre de faire une plus grande coccinelle tout simplement. Oups, je saigne. Je vais aller mettre un petit pansement, je me suis coupé le pouce et je reviens. Donc ça y est, j'ai soigné mon petit pouce et maintenant on va commencer. Donc on va commencer avec la feuille noire ou alors une feuille blanche. Vous faites le découpage et après vous la coloriez en noir. C'est vraiment simple. Donc on va faire un premier rond. Voilà, donc on aura la forme de base de notre petite coccinelle. Et ici, on va faire sa petite tête qui dépasse en faisant un arc de cercle et des antennes. Une fois qu'on a dessiné tout ça, on va venir découper. Donc vous n'avez peut-être pas de feutre comme ça, mais vous pouvez dessiner au crayon papier, il n'y a pas de souci, ça se verra. De toute façon, je vais le retourner après, on ne verra plus mes traits. Hein. Voilà, on va utiliser cette partie-là, donc les traits n'ont pas d'importance pour la suite. Ici, on a découpé, on a la base de notre coccinelle. Pour continuer, on va faire deux ronds rouges qu'on va découper également. Une fois qu'on a fait ces deux ronds rouges, on va tout simplement faire des pois. Voilà, les petits points noirs de la coccinelle un peu partout. On va retourner et on va refaire des pois au verso. Bravo Julie, ça a déteint sur la table. Encore du nettoyage à faire. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir replier nos petits ronds. Et on viendra les coller sur la coccinelle. Et attendez bien que ce soit sec parce que vous voyez, moi mes ronds ils se sont décalqués. Voilà, la patience. Hop, on va faire la même chose avec le deuxième rond. Et on va tout simplement venir recoller ici nos deux ronds au centre. Ce qui fait qu'on aura une jolie petite coccinelle en 3D. Donc pour ça, je vais mettre de la colle juste sur une partie du rond. Et je vais venir l'appliquer ici sur la base de la coccinelle qu'on a fait juste avant.
Il faut dire qu'elle est quand même assez vieille ma coccinelle, parce que si on en croit la légende de compter les poids, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Elle a 20 ans, voilà pourquoi elle est aussi grosse. J'arrête mes bêtises, on passe tout de suite au dernier tuto, mon préféré. Et vous, surtout à la fin de la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre tuto préféré parmi les 5 tutos que je vous ai présentés. Petit coup de ménage avant le deuxième tuto. Le dernier tuto. Pour le dernier tuto, nous allons faire un paresseux. Vous m'en avez déjà demandé plusieurs fois des décorations paresseux. Là, on va déjà apprendre à réaliser un paresseux ensemble. Pour ça, il vous faut une feuille marron. Vous pouvez également utiliser le dos d'un emballage, par exemple d'une boîte de gâteau ou d'une boîte de céréales. Ça fera une couleur à peu près marron. Une feuille blanche ou beige. Ça, je pense que vous pouvez avoir un feutre noir, un feutre marron. Et vous pouvez réutiliser encore le dos de votre boîte si vous n'avez pas de feuille marron. Ou alors un morceau de carton qu'on colorira dans un marron, un petit peu plus foncé pour faire une nuance de couleur entre notre branche, puisqu'on va faire une branche d'arbre en plus, et notre petit paresseux. D'ailleurs, pour commencer, on va réaliser la branche sur lequel le paresseux sera installé. On va donc découper une bande d'environ 1 cm à 2 cm de large. Donc soit dans un carton, soit dans une feuille, vraiment vous faites avec le matériel que vous avez. Hein. On s'adapte, on est en confinement. Voilà, on va la faire assez longue et puis au pire on la recoupera après cette branche. Voilà, donc moi j'ai ma branche à peu près. On va donc colorier avec le feutre marron ou de la peinture, si c'est plus rapide encore. En fait le but c'est qu'il y ait quand même une différence entre le marron de notre paresseux et le marron de la branche. Voilà, ma branche est prête. Donc on va maintenant passer à la création du paresseux. Pour cela, on va venir faire une forme ronde, plutôt ovale même, qui sera en fait la tête du paresseux. Puis un deuxième ovale accroché, qui sera le corps de notre paresseux, qui sera en fait allongé sur la branche. On va venir ensuite découper cette forme. Voilà. Et en fait notre paresseux il sera allongé comme ça sur la branche en train de dormir. Bon, pour l'instant on se rend pas trop compte que c'est un paresseux, mais ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un morceau de feuille beige ou blanche et on va venir ici découper la forme de la tête mais en un peu plus petit. Donc moi ce que je fais c'est que je décalque à peu près la forme de la tête de mon paresseux. Voilà, sur ma feuille blanche. Et je viens découper à l'intérieur exactement la même forme, mais en plus petit. Voilà, comme ça, ça s'incruste bien dans ce que je voulais. Alors, je voudrais qu'il y ait... Le but, c'est qu'il y ait un rebord quand même assez important. Donc, on peut couper quand même une bonne partie. Il faut réajuster, en fait, au fur et à mesure. Là, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va venir continuer notre petit paresseux. On va faire ses yeux, son nez et sa bouche. Donc pour ça, c'est simple. On fait une sorte de ovale encore une fois ici d'un côté. On fait le même de l'autre côté avec un feutre marron. Celui qui a servi, par exemple, pour faire la branche. Hein. Et on vient colorier l'intérieur. Pour l'instant, vous ne vous rendez pas compte, hein, que ça va devenir un paresseux. Mais vous inquiétez pas. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le feutre noir, on va faire un petit nez, et là on commence un peu plus à se rendre compte. On va faire des petits yeux et une bouche, et on viendra placer ça, et on aura la tête ici de notre petit paresseux. Il ne reste plus qu'à faire ses pattes. Pour les pattes, on va reprendre la feuille marron, et on va tout simplement faire des formes de pattes à peu près identiques, hein. Et ensuite, évidemment, on va venir les découper, ces formes de pattes. Et maintenant, on va venir assembler notre paresseux puisqu'on a ses pattes. Tac, on a sa tête, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va coller dans l'ordre. Déjà, le corps sur la branche. Ensuite, on va mettre son petit visage quand même. Ensuite, on va mettre les pattes qui viennent sur le devant. Parce qu'en fait, il a une patte d'un côté de la branche, évidemment, et une patte de l'autre. Et enfin, derrière, on va mettre la petite patte, la deuxième petite patte qui pendouille, là. Père, il est en train de dormir, mais il a une patte quand même de chaque côté. Sinon, il va tomber.
Et voilà, notre petit paresseux est terminé. Oups, le pauvre, je l'ai plié. J'ai eu trop de force. Je reprends, on le recolle. Voilà, ni vu ni connu, vous n'avez rien vu. Voilà, notre petit paresseux est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des petites branches, des petites feuilles, pardon, hein, de chaque côté de notre branche. Mais en tout cas, moi, je le trouve plutôt mignon, ce petit père. Cette vidéo est terminée. J'espère que ces activités spéciales confinement, assez simples à faire, vous ont plu, que vous allez bien vous amuser à les réaliser. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à liker, à vous abonner et puis à aller sur nos autres comptes, par exemple Instagram ou Facebook, pour aller voir un petit peu ce qui se passe en dehors de la chaîne YouTube. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres activités. En tout cas, moi j'adore vraiment créer avec vous, recevoir vos créations. C'est vraiment quelque chose de super, donc merci beaucoup d'être là. Je vous fais encore plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.